Salut la famille, donc là il y a le petit hockey devant en train de tester la XSR 900. Moi je vais tester donc la Ninja 7 donc de 2024. Donc c'est la modèle hybride. Donc là comme vous voyez, regardez. Hop, on va passer la première. Et regardez. Elle passe les vitesses toute seule jusqu'à 64 km/h. Hop, comme vous voyez. Tac. Donc électrique. Donc c'est incroyable. Voilà, oh là, mais dis donc, on va pas se faire écraser parce qu'il y a un monsieur qui cueille des framboises. Donc comme vous voyez, elle passe et elle descend et monte les vitesses toute seule. C'est assez bizarre. Mais vous voyez, j'ai pas de levier d'embrayage, j'ai pas de levier de vitesse non plus. Oh là 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 là. C'est hyper bizarre. Et en tout cas, elle monte à 64 km/h, donc en mode hybride. Donc là, vous voyez, moi je suis fond de pété au niveau de la poignée et je suis la voiture, voilà, très bien. Hein. Bah, on va s'arrêter, on va le mettre en mode. Donc il faut absolument s'arrêter pour le remettre en mode thermique. Hop, vous allez voir. Hop, hop, donc là, tac. Si vous voulez, vous avez ce mode là. Hop, donc là, on va remettre au point mort. Là, il y a un mode en gros pour mettre la marche arrière. Et en fait, si vous voulez, tac, donc là, on met la marche arrière. Et en fait, ça sert, hop, la marche avant. En gros, ça sert pour le parking, hop, tu vas tout doucement. Et marche arrière, hop, pareil, hop, tac, comme tu vois, hop, ça t'aide à manœuvrer la moto. C'est hyper sympa de pouvoir manœuvrer la moto marche arrière, marche avant. Bon, bah après, voilà, ça reste de l'électrique, il y en a qui vont critiquer comme d'habitude. Ensuite, tu veux mettre en mode électrique, hop, tu restes appuyé là. Moteur, excusez-moi. Tu veux mettre en mode thermique, excusez-moi. Hop, là, la première, elle est mise. On y va. Allez, yo, c'est parti. Donc là, c'est toi qui passes les vitesses, par contre. Elle ne passera pas les vitesses toute seule. Voilà. Et ici, vous voyez, il y a un truc qui monte, là, des petites flèches. Tac, 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 jusqu'ici. Et en final, vous appuyez sur ce bouton-là. Et regardez, ça se met, ça va se mettre, vous allez voir. Hop, alors, attendez, tac. Là, je peux l'activer. Regardez, là, ça s'active. Et en fait... ça active un boost sur la moto. Donc là, vous le laissez se recharger. Vous voyez, les flèches se rechargent. Tac, tac, tac. Là, elles sont rechargées. Là, je peux l'activer. Hop, ça repart. Et c'est en train de descendre mon boost. Et là, il n'y a plus de boost. Là, le boost, comme vous voyez, il est en train de remonter. Hop, tac. Donc là, si je veux descendre, imaginons une vitesse, je me mets en 5, en 4, j'accélère. Là, j'ai l'éco-boost, regardez. Vous voyez le boost? Tout de suite, ça me met une claque au cul. Mais vraiment, par contre, ça te met vraiment une claque. Donc la moto, à poids sec, elle fait 227 kg. Alors, c'est bizarre parce que moi, mon Phaser 1000, il fait 236 kg. Et là, c'est un poids à sec, 227. J'aurais cru qu'on allait vraiment le sentir beaucoup plus. Et au final, pas du tout. Vous voyez, le truc, le boost, incroyable. Et voilà, donc c'est le moteur de la Z500. Je sais pas si je me suis trompé juste avant. Mais c'est le moteur de la Z500 qui est dessus, qui fait... au grosso modo 59 chevaux et des boîtes, donc on va dire 60 chevaux. Et en soi, super petite bécane. Assez sympa. Le fait est que ça soit hybride, en fait, en ville, tu es toujours en mode électrique, donc tu ne consommes pas d'essence. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Après, voilà, on va pas vendre ça comme « Oh putain les gars, c'est trop bien !» Tout le monde va me dire « Oui, mais mec, c'est moto électrique, c'est de la merde, c'est à gerber. » Non, non, ils ont quand même réussi à faire un truc assez sympa. On peut pas critiquer. Là, tu as une boîte automatique où c'est que, bon, tu es quand même obligé de passer les vitesses toi avec tes doigts. Regardez le boost. Hop. Ah, tu as besoin de doubler. Eh ben, tu doubles, tu vois. Tu as 14 000 tours. Ça monte très bien. Voilà. Ça reste un 500. C'est même un 451 cm3 qui est dedans. Et franchement, pour le coup, eh ben, voilà. Le petit Kawasaki. Je sais pas si c'est le premier modèle de moto hybride, mais en soi, pour moi, c'est réussi. Tu vois, le fait est que tu peux déplacer la rec, tu peux te mettre jusqu'à 64 km/h en électrique. Et c'est cool, vraiment, en ville, c'est cool. Au moins, tu ouais, tu consommes rien. Ça, je trouve ça plutôt sympa. On va aller faire 2-3 virages là-bas, on va voir ce que ça donne, et après, je vais vous la montrer. Hop. Oh là là là. Elle a quand même une bonne accélération pour une 500. Ah mais les gars, pour moi, je trouve que ça accélère super bien. Pour un truc qui est quand même lourd,
Hein, ça reste quand même lourd pour un 500, ça fasse presque du coup en poids, en ordre de marche, ça va faire du 240 kg minimum. Regardez le boost, hop, le boost qui se met, qui est en train de s'enlever petit à petit. En tout cas, ça roule bien. Quand tu redescends, regardez, tu vois, ça se recharge comme je vous disais. Voilà. Donc là, on va aller voir ce que ça donne dans les virages. Si ça s'en met bien ou pas. Ou si c'est juste une merguez, mais ça n'a pas l'air d'être une merguez. A l'air de bien s'emmener. Hop. Attention, c'est un petit 500. Hop. Oh là 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 là. Là, on fait gaffe parce qu'il y a toujours du monde qui sort. Et là-bas, je vois qu'il y a un camion qui est sorti. On va faire attention au camion. Par contre, le passage de vitesse est hyper fluide. Donc du coup, mais ça te fait pas de coup de pupute dans les virages. Hop. Ah, ça s'emmène super bien. Petite moto joueuse. Pour le coup, ça fait vraiment une petite moto joueuse. Ah, il y a un peu de caca dans le virage, par contre ça c'est pas sympa. Merci. Merci monsieur l'agriculteur, je t'aime bien. Un petit peu de caca pour que ça glissouille. Bon, je vais vous montrer ça, vous allez voir. Hop. On va le remettre en mode électrique. Hop, là la moto est allumée, vous voyez? Tac. Je repars en mode électrique. Incroyable, non? Hop, regardez. Hop, je remets peut-être au point mort pour bien vous montrer. Donc là, j'espère qu'il n'y a pas de moustique écrasé. Non, c'est bon. Donc là, voilà donc la Ninja 7 hybride. Donc elle a quand même de la gueule. Elle est quand même sympa. Il y a une belle gueule devant qui ressemble un peu au dernier GDX 6R, là, les 636, un peu, voilà. Une belle gueule écrasée. Là, donc vous voyez, hybride. Et voilà. Donc merci, merci Motomo pour le prêt de la bécane. Franchement, énorme. Et je suis vraiment surpris parce que tu vois, on est les premiers à cracher sur l'électrique et tout. Et pour le coup, c'est super sympa et ça se conduit vraiment au top. Ça s'emmène bien et tout. Ça n'avait pas beaucoup de chevaux, c'est sûr. Il y en a, et voilà, ça a manqué. Mais pour le coup, aujourd'hui, de toute façon, on peut plus rouler. Et en soi, voilà, c'est pas une moto qui va te faire peur sur la route. Et en soi, pour rouler en ville et tout, mais je trouve que c'est le top. Donc on va aller retourner là-bas et on va refaire les petits virages. Et ensuite, eh bien, moi je vous dirai au revoir et je vous ferai des bisous. Donc déjà, abonnez-vous à cette petite chaîne YouTube, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez surtout de cette moto en commentaire, parce que c'est vrai que c'est très bizarre. Donc là, ce qu'on va faire, je vais partir en mode électrique. Hop. Donc là, comme je vous disais, on va partir en mode électrique. Hop. Par contre, t'es obligé de t'arrêter. Tu vois. Là, je suis en mode électrique, donc c'est vraiment léger le mode électrique. Hein. Ça va vraiment doucement. C'est pas fait pour aller faire de la compétition, machin. Mais c'est vraiment pour de la ville. Là, tu vois, ça va à 64. T'es en ville. Mais en ville, c'est très bien. T'as pas, de toute façon, t'as pas besoin d'aller plus vite en ville si tu vas à 50. Par contre, le seul défaut que je trouve à ça, c'est que tu es obligé de t'arrêter. Hop, donc on va s'arrêter vite fait, tranquillement ici. On va faire attention. Hop. Hop, tu es obligé de t'arrêter pour ensuite remettre le mode. Voilà. Allez, c'est parti. Ça s'emmène bien, la moto fait pas de coup de pupute ni rien. Non, franchement, au top du top. Pour le coup, super petite bécane hybride. Pour moi, ils ont réussi le truc. Je pense que ça doit être les premiers à le faire. Je sais pas, mettez en commentaire si vous êtes au courant qu'il y en a d'autres. Hop, on va doubler. On active le boost. Voilà quoi, on aura fait
un bel essai, je pense, super sympa pour la moto. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine, la famille. Abonnez-vous à cette petite chaîne YouTube, un petit commentaire, un petit like, comme je vous ai dit. Et puis surtout, voilà, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi, on se retrouve à la prochaine, je pense, sur la XSR 900. Je vous fais des bisous. Encore une fois, merci Motomove Intégrale, donc de Cap Sud Saint-Maur, pour le prêt de la Mocane. Et moi, je vous dis à plus. Allez, ciao!